les sondages, ils disent que 9 fois sur 10, c'est le chômeur qui gagne au loto. Eh ben moi, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai démissionné. Pour gagner le loto, chacun sa technique. Moi, j'ai un copain, depuis que l'on a dit que pour gagner, il fallait une chance de cocu. Eh ben maintenant, il prête sa femme à tout le monde. Moi, j'ai encore mieux. On dit heureux au jeu, malheur en amour. Ben, je vais te dire, je suis sûr de gagner. Vive la thune, vive la thune. La thune et moi, avant, c'était un petit flirt. Maintenant, ça va être le grand love, le grand love. Tiens, j'ai lu mon horoscope ce matin dans le journal. Rentrée imprévue pour les natifs du dernier des cons. C'est bébé. Et d'abord, si je gagne, je m'achète un château. Et alors, j'ai déjà les grilles. Je veux rentrer dans le club des riches. Eh ouais, bien sûr. Et bonjour les gens André. Et bonjour les gens Mathieu. Et bonjour les gens Édouard. Enchanté, moi, c'est Jean Mouloud. Alors, c'est pas parce que j'ai pas de passé que je vais pas avoir d'avenir, hein. D'abord, si je gagne, je m'achète une bonne conscience. Ouais, j'aiderai ceux qui sont dans la merde. Merci, 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 merci. Je leur achèterai des bottes. Je prendrai aux riches pour donner aux pauvres. On m'appellera rebeu. Des rebeux des bois. Alors, demain, on m'appelle monsieur. Monsieur, j'ai des deux mains. Ce soir, je vais avoir le cul bordé de la nouille. Alors, moi, je vais ensemble. Vas-y, tiens. Mademoiselle, donne-moi un petit numéro. 42. 42. Voilà, on y va. 42. Waouh, 42. Vas-y, 42. Vas-y, mademoiselle, un petit numéro. Le 9. Le 9. Le 9. Mademoiselle, un petit numéro. Le 3. Ah, voilà. Monsieur, un petit numéro. Comme ça, le 5. Le 42, le 9, le 3, le 5. Vous allez voir, si je gagne, on partagera. Ma joie. C'était quoi? Tu crois que je suis con, quoi? Ah, monsieur, donne-moi un petit numéro. Les 10. Les 10. Mademoiselle. Le 14. Et là-haut, le numéro complémentaire. Le 10, comment, hein? Le 17. Le 17. Comment tu t'appelles? Rachel. Rachel, hop, hop, là. Rachète les D7. Pourquoi t'as pas pris le 22? D7, les D7, Rachète. Eh, voici, vive les D7. 42, 9, 3, 5, 10, 14, D7. Vive le loto! D'abord, si je gagne, qu'est-ce que tu crois? Si je gagne, je m'achète un resto. Comme ça, je pourrais partir sans payer. Et tous les soirs, j'inviterai PPDA à manger dans mon resto. Et alors, j'aime bien manger en regardant les infos. Bien sûr! Je m'achèterai un jet privé pour moi tout seul. Ouais, et j'irai acheter mes chewing-gums à Hollywood. Yes, hello, hello. It is possible to speak with Claudia Chauffleur. De la part de qui? Hello, de la part de qui? La part de Rachid Copperfield, de con. Maintenant, Mouloud, de gagner. Et après, je l'inviterai à Holy Donice, assis devant sur la glace, comme ça, elle verra tout, et après, on ira... Bonsoir, la Française des Jeux vous souhaite la bienvenue pour ce tirage exceptionnel du 30 décembre. Vite, avec dépêche-toi. Ce soir, une super cagnotte de près de 100 millions d'euros. Vite, les boules. Et voici la première boule, le 42. 42, je l'ai. Le 9. Je l'ai. Le 3. Je l'ai. Le 5. Vous l'avez. Et après. Le 10. Plus de tirelire, j'achète un vrai cochon. Après. Sixième boule, le 14. Numéro complémentaire, Rachid. Et pour terminer, numéro complémentaire, Rachid. Le 49. Rachid, attends. Ben, ça nous arrange pas, hein. Alors le 17. Ouais! J'ai gagné! J'ai gagné! Et je vais pouvoir m'acheter. J'ai gagné, je ne crois pas.
J'ai gagné. Ta mère, ouais. J'ai gagné. Je vais pouvoir m'acheter. Je vais pouvoir m'acheter l'accent français. L'accent français. Eh oui, enfin l'accent français. Ouf, ouf. Bonsoir. Fini intégration, assimilation, discrimination positive. Bonjour Madame Rachid, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? On a gagné. On a gagné, les petits frères. On a gagné. On a gagné. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bien sûr, bonsoir mesdames. Bienvenue au gymnase où nous allons remettre le super chèque de la super cagnotte à notre super gagnant. Comme ça va être super, mais trêve de suspense, j'appelle tout de suite le grand gagnant de ce soir, Mouloud. Ah non, 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 monsieur Mouloud. Autant pour moi, alors accueillons monsieur Mouloud sous vos applaudissements. Bonsoir, très heureux. Et moi, très riche. Super. Alors, monsieur Mouloud, tout d'abord, bravo. Merci. Vous venez donc de gagner. Non, non, non. Et non, nous non, allons... non, je viens de gagner. Hein? Gagner. Région parisienne, banlieue, Rasier. Ah, région parisienne. D'accord. Bon, ben, c'est pas gagné. Hein. C'est, non, c'est j'ai gagné. J'ai gagné et j'ai envie de gagner. Attention, je prends moi le bronzé. Hein. Alors, monsieur Mouloud, vous connaissez la tradition de notre émission. Alors, que nous aviez-vous préparé? Et je suis Mouloud. On s'enseigne, mais vous n'avez pas un petit numéro, une petite chanson? Si, je suis Mouloud. Nous vous écoutons. Je suis Mouloud, complètement Mouloud. Ah, j'y suis. Je suis Mouloud de Serge Lama. Je l'adore, j'ai tous les CD, oui. Bravo, monsieur Malade. Non, monsieur Mouloud. Monsieur Mouloud. Attention, toi, prendre ta gifle. Alors, monsieur Mouloud, dans quelques instants... Attends-moi, s'il te plaît. Attention. Dans quelques instants, nous allons vous remettre votre chèque. Dépêche-toi. C'est bon. Un chèque, je découvre comme vous d'un montant. Oh la vache. 100 millions 35 euros. Pas mal. Merci. Alors, une première question, bien sûr, qui nous brûle les lèvres. Qu'allez-vous faire de ces 35 euros? Ah oui, 100 millions. Suis-je ballot? Espèce de petit con, là. Putain, j'ai space maker avec plein tes mains. Bon, alors... Je vais mettre sa gifle, celui-là. Monsieur Mouloud, oui. Qu'allez-vous faire de tout cet argent? D'abord, je vais partager. Ça, c'est bien. Et il y a combien de malheureux sur Terre? Je sais pas, au moins 3 milliards. 3 milliards? 3 milliards? Non, ils auraient pu prévenir, hein. Et alors, ça fait combien, 3 milliards par 100 millions? Oh, bah, pas lourd, ça va faire, je sais pas, peut-être 3 centimes. 3 centimes? Je peux pas. Je peux pas. Ça existe pas, les plus de 3 centimes. C'est vrai. Je garde tout, ça m'apprendra de généreux. Très bien. Alors, monsieur Mouloud, qu'allez-vous faire de ce paquet pécule? D'abord, je vais y aller à la banque. À la banque, oui. Lundi matin. Ah ouais. Salut les pauvres. Eh oui, maintenant c'est moi le riche. Comme les pâtes. Ah ouais. Toi, le vigile, te bouge pas. Hein. Après, je vais aller voir mademoiselle Agio. Oui, mademoiselle Agio. Que tout le monde connaît. Bonjour mademoiselle Agio, que tu m'emmerdes depuis 7 ans, ça va? Non, je suis pas coursier, je suis arabe et j'ai beaucoup d'argent. Non, non, je suis pas Nagui. Tu vois le gros chèque là, tu le prends sur le pied, tu te fais une entorse, vas-y, je m'en vais, je te quitte. Vas-y. Si je comprends bien, monsieur Mouloud, vous allez faire des placements. Bien sûr, je vais faire des déplacements. Alors, fais les cartes postales, j'enverrai des cartes bleues. Et tiens, et en vacances, j'irai à l'étranger. Où ça? Eh ben rien que pour te faire chier, j'en serai ici. Bon, sérieusement, monsieur Mouloud, oui, très bien. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même que tout cet argent risque de bouleverser votre vie quotidienne? Mais bien sûr, mais avant, comment dire, avant, j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Et je vais pouvoir, qu'est-ce que je pourrais... Je vais pouvoir aller racheter mes fringues chez l'abbé Pierre. Eh oui.
Et j'ai monté ma première ligne de vêtements. Ah. Comment je pourrais l'appeler Tati. Non, Tati, c'est fini. Tati, c'est en dépôt. Je sais, Tata. Ah oui, j'ai trouvé. Et pas Tati, et pas Tata. Voilà. Et je me ferai des couilles en or. Et pour pas qu'on me les vole, je mettrai une alarme dans mon slip. Ah ben ça, c'est astucieux. Bien sûr que je suis astucieux. Et j'aurai une devise. Laquelle? Ermi. Qui veut dire? Relax, Mouloud. Et le I? Enfin, si vous permettez. Allez-y, mollo, Mouloud. Merci. Et souvenez-vous que l'argent ne fait pas le bonheur. Attention, monsieur Mouloud. Comment, l'argent ne fait pas le bonheur? Eh, l'autre, t'entends? Eh, l'argent ne fait pas le bonheur. Eh, je préfère pleurer dans une Porsche que me fendre la gueule dans le métro, hein. C'est vrai. Et en plus, je suis sûr d'être assis. Très bien. Alors, il est grand temps. Viens. Oui. Ça me fait plaisir de vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous fera plaisir? Vas-y, j'ai le ballon maintenant. Vas-y, je suis blindé, je suis riche. Vas-y, qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'offre. Vas-y. Pour moi? Bien sûr, c'est pour vous. Vas-y. Bah, ça, c'est sympa, monsieur Mouloud. Allez-y. Bah, je sais pas. Enfin bon, si, j'arrive de gosse, c'est vrai. C'est un petit bateau pour voguer la voile au vent. T'en veux du vent? Eh ben, regarde, je te fais la bise. Merci, Mouloud, super. Merci bien. Alors, je crois qu'il est grand temps maintenant de vous remettre votre chèque. Et pour cela, j'appelle sur ce plateau notre charmante hôtesse, la délicieuse Tina. Le frère de Tina. Ça pique, hein? Au revoir, Tino. Oui. Oh là là, Mouloud. Merci beaucoup. Et avant de vous quitter, je voudrais vous interpréter une chanson de Léo Ferré, que j'aime beaucoup, qui s'intitule « Avec le temps ». Alors, très très rapidement, me dit-on, monsieur Mouloud. Je prendrai tout mon temps. C'est quand vous voulez. Avec le temps, va, tout s'en va. Avec le temps, tu t'en vas aussi. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un prochain tirage. Alors, Mouloud, si vous voulez, le mot de la fin. Et ta gueule, je suis riche. Merci à tous, bonsoir, merci Mouloud.